Bienvenue dans la série de vidéos Support Video for Workload Automation. Cette vidéo montrera comment vérifier l'utilisation de la base de données Postgres du serveur contrôlé. Vérifier le dimensionnement de la base de données Postgres du contrôle serveur, nous avons besoin des informations suivantes. Le pourcentage d'utilisation de la base de données en utilisant la commande CTM DB Used. Le nombre d'enregistrements de la base de données du contrôle serveur à l'aide de la commande CTM DB Count. Voici une démonstration. Nous connectons à un contrôle serveur. Nous ouvrons une fenêtre de commande MS-DOS. Nous rentrons la commande CTM DB Used et nous renvoyons la sortie vers un fichier texté. Cette commande va nous permettre d'afficher le dimensionnement de la base de données et la taille des tables, la quantité d'utilisation actuelle et le pourcentage d'espace de la base. Nous allons ensuite exécuter une démonstration de l'utilitaire CTMDBCount pour connaître le nombre d'enregistrements de toutes les tables dans la base de données Control-M Server. Nous connectons au Control-M Server. Nous ouvrons une fenêtre de commande MS-DOS. Nous rentrons la commande CTMDBCount et nous renvoyons la sortie vers un fichier TXT. Cet utilitaire va nous permettre d'afficher le nombre d'enregistrements dans les différentes tables où nous pourrons voir qu'il y a un nombre anormalement d'enregistrements, ce qui nous permettra de les effacer ultérieurement. Voici les exemples de sorties produits par les deux commandes CTMDBUsed et CTMDBCount. Nous pourrons les envoyer ultérieurement au support BMC pour une analyse plus approfondie. Merci. Ceci conclut cette vidéo sur les solutions Control-M. Consultez notre base de connaissances et la chaîne YouTube pour plus de vidéos comme celle-ci.